10 ans, chez Greffet, Internet, c'était déjà un site avec des adresses mail, un site vitrine de présentation des produits d'entreprise et un site Internet qui nous permettait de communiquer avec, avec l'extérieur, communiquer petitement à l'époque. À titre personnel, Internet, pour moi, il y a 10 ans, c'était l'idée que le monde ne serait plus jamais comme avant, qu'il n'y aurait plus jamais de monde sans Internet. Et que la bulle spéculative autour d'Internet était uniquement une bulle financière qui n'avait rien à voir avec le produit, qui lui était installé et allait grossir de jour en jour. Aujourd'hui, chez Greffet Internet, c'est toujours un site plus élaboré, en mettant un peu plus de technicité à l'intérieur. Ce sont des échanges avec les fournisseurs et les clients de façon récurrente et de façon complètement normale. Passage de commandes, demande de délai de livraison, demande de renseignements et surtout une ouverture sur l'international qu'on n'avait pas auparavant. À savoir que les gens en Hongrie, par exemple, nous envoient des mails parce qu'ils ont vu notre site Internet et sont intéressés par le produit, ce qui n'existait pas il y a 10 ans encore. Dans 10 ans, sincèrement, je pense que tous les échanges commerciaux se feront par Internet, les échanges marchands, comme c'est le cas aujourd'hui dans la vie privée des gens, achat de matières premières, vente de produits, élaboration de devis. Peut-être qu'hélas, entre guillemets, le contact humain aura un peu moins de place en visu, j'allais dire, mais d'un point de vue rapidité, d'un point de vue échange mondial, ça sera extraordinaire. Un logiciel de gestion commerciale, par exemple, c'est quelque chose qui a l'air peut-être un peu bête, mais moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a une petite vingtaine d'années, la comptabilité commerciale se faisait à la main, avec un crayon et sur des grands livres. Au jour d'aujourd'hui, tout est informatisé, la gestion commerciale, la présentation des devis, le passage en comptabilité, et c'est quelque chose qui a révolutionné, il y a 10 ans, on va dire, l'entreprise. À ce jour, la révolution informatique pour l'entreprise Greffet, ce sera des logiciels plus techniques sur la conception des nouveaux produits que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. Et bien sûr, le numérique, ça serait peut-être des partages d'informations très techniques sur des sujets spéciaux quant à l'élaboration d'une nouvelle machine. Par exemple, on est en constante recherche de soit de nouveaux produits, soit d'amélioration de nos produits existants, et nous limitions jusqu'à aujourd'hui à une capacité qu'on pouvait avoir en interne, soit humaine, soit technique. Mais si on veut faire appel à une technicité liée à l'électrique, à l'électronique, liée au fluide, on devra avoir accès à des logiciels performants à ce niveau-là, et forcément le web nous aidera à les récupérer.